Oui, c'est Kelton Mackenzie et c'est parti pour la 17e partie, il me semble, du Let's Play sur Metroid Prime sur Wii. Alors la dernière fois, on venait de récupérer. Qu'est-ce que vous faites? On venait de récupérer, disais-je, la bombe de puissance. Je vais réussir. Et donc du coup, tout ce qui est débris en benzédium, on va pouvoir s'en débarrasser. Ouais. Ouais. Ah non. Qu'est-ce que... Zone de quarantaine, Metroid. Ah, je sais pas si j'étais vraiment censé aller ici maintenant. Bref. Voilà. Bon, j'ai envie d'essayer. Hop là. Allez! Ah! On peut analyser les méga-tourelles. Ah non, c'est juste qu'on les connaît pas encore. Pierre de l'espace, méga-tourelle. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, là, il y a un truc. Voilà, on va récupérer parce que bon, c'est. Ça nous arrange un petit peu quand même. Il y a un truc à faire ici? Ah ouais! Oh, d'accord. On n'est pas obligé de passer comme un barbare comme je viens de le faire en fait. Allez, c'est pas bien grave. Là, j'avais déjà analysé ce qui est important ou pas? Le champ de force est désactivé, la zone de confinement des Metroid est ouverte. Ah, quel bonheur! Oh, j'ai libéré les Metroid sur les pirates. Ah, je me suis fait repérer par les pirates aussi. Oh. Voilà. Voilà, attention, parce que là, on a plusieurs Metroid à notre housse. Ouf. Ah, nouvel objet. Voilà, une bombe de puissance, une recharge. Donc voilà, oui, je disais, toujours bien mettre le rayon de glace quand on se retrouve face à des Metroid. Ah, et lui, il n'a pas eu de chance. C'est dommage. D'ailleurs, ça vient que je vérifie de ne pas faire de conneries, quand même. La taille de cette culture fongique a augmenté de 400%. D'accord. Analyse spectrale terminée. Forte présence spectrale sur Talion. Ah. Ah, il faut que je retourne sur la... Oh, ça me va me faire chier, ça. Et il faut que j'aille bosquer Vita et je crois que c'est ici qu'on va récupérer le dernier viseur. Ruine Chozo et mine de Phazon. Ah. Ah ouais, mais... Non. Ouais, j'ai quand même envie de regarder si jamais je peux rien faire dans cette salle. Ah non. Non, non, non. Parce que là, vous voyez... Enfin, y a rien en fait. Je crois que ce sont des plateformes invisibles. Qu'on verra par le viseur radioscopique. Je pense que c'est ça. Je suis pas très sûr, mais bon. Et parce que bon, je peux pas sauter comme ça à pieds joints dans le Phazon, merci bien. Ça, c'est bon. Hop là. Oh, encore. Oh, elle est crevée. Mais. Oui, d'accord. Je fais comment pour monter là-haut, moi? Ah! Hop! Là. Et là. Ceci est un problème réglé et... ouais, bon. Ceci est surtout de recharge d'énergie vidée, quand même. Mais je sais que je dois aller à la surface de Talion. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Putain, j'avais tellement pas besoin de... De les combattre, en fait. Hop. Soyons confiants. Oh putain, faut vraiment que je fasse tout à rebours, là. Oh bah oui, tant qu'à faire. Il manquait plus qu'un pirate alpha, tiens. Non! Ah, je suis débile, des fois. Tiens! Ah. C'est ça. En fait, trois super missiles et c'est réglé, en fait. Je me suis fait quasiment pas toucher, si.
Je vais juste... Là, on avait des trucs en benzédium, ici aussi. Des débris en benzédium, on va... les détruire. Qui sait, c'est peut-être... Ah, bah c'est le terminal de cartes. J'ai bien fait de venir. Encore que je sais pas si ça sert vraiment le terminal de cartes. Ouais, si. Ah, si, on a aussi tout le sous-sol. Si, si, c'est pas mal en fait. Ah, et on a des petites précisions sur certaines salles, des petites salles, vous voyez. Un peu partout là, des petites salles en gris. Donc, où on va pouvoir récupérer des bonus, mais qui sont difficiles à repérer sans le terminal de cartes finalement. Ah, bah oui. Si on peut désactiver ce truc. Hein? Ah oui, d'accord. Quoi? Ah, bientôt, on s'en foutra. Parce qu'on pourra les voir avec le viseur radioscopique aussi. Oh là, il y en a. Enfin, je pense qu'il y en a. Non, il y en a pas. C'est juste mon viseur qui déconne. Dégage! Vous savez quoi? On va pas perdre notre temps ici. Ah merde, c'est le rayon de glace qu'il fallait. Ah, je crois que c'était pas par ici que je devais aller. À la base. Parce que là, je vais... Ouais, non, mais... Non, laisse tomber. C'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. Samus, tu vas faire un effort. Voilà. Ah. Attends, c'est où, du coup, qu'il faut que j'aille? Juste en face, ok. Oh, laissez-moi tranquille. Ah, par contre, tous ces changements d'armes, c'est pas que c'est chiant à force, mais bon, c'est pas très utile vu qu'on est de toute façon obligé de... d'avoir telle ou telle arme déjà pour être à ce point-là dans le jeu. Si jamais on n'exploite pas les bugs. En fait, ici, c'est le cratère d'impact, non? Comme on le voit dans... à la surface de Taïen. Attends, on va déblayer un peu le passage. Ah! Mais tu. Voilà. Tiens. Et il nous en reste plus qu'un un peu plus haut. Même si celui qui est en haut, c'était vraiment pas obligé, hein, mais bon. Hop. Hein? Putain! Je m'y attendais pas à celle-là, tiens. Oui, bah oui. Où est l'autre? Où est l'autre? Il est là. Ah! Tiens. Eh ben. Une plaie pour le battre, celui-là. Ah, voilà, c'est par ici. Un laboratoire d'élite. Ensuite, ouais, il y a ça. Bon, je suis sur le bon chemin. C'est l'essentiel. Hop. L'avantage, c'est que je serai pas loin du tout. C'est par où? C'est par là? Nanana, unité de sécurité, carrière principale. Ouais, c'est par là. Une fois que je serai arrivé à la surface de Taïen... Oh, putain. Je serais vraiment vite arrivé en fait. Ouh. Ni. Oh putain. Tiens. Voilà.
Donc oui, je serais vite arrivé, je disais, je sais plus quel est le nom du lieu, mais c'est le lieu qui permet, c'est le lieu qu'on m'a dit d'aller, c'est le lieu qu'on m'a dit d'aller, moi parler français. C'est le... Ah, allez! Oh! C'est le lieu auquel le jeu m'a dit d'aller. Ah, putain, la salle chiante, quoi. Ah, d'accord. Ah, les unités de rayon à ondes. Ah, c'est chiant, vu que eux, à l'inverse de l'autre, de ce qu'on a vu, le rayon de glace, je préfère affronter des pirates rayon de glace, vu que eux, on peut les geler, quoi, finalement. Alors que eux, l'avantage du rayon à ondes, c'est qu'il est autoguidé, quoi. Voilà. Et c'est qui va devoir se retaper tout le chemin, ensuite? Ouais. C'est Bibi. Centre de traitement des minerais. Je suis allé ici, déjà? Ah, peut-être. Oh non, pas de pirate. Fantôme, encore, là. Oh, quel râleur, alors! Là, on va encore avoir de la compagnie, mais on s'en fout. Sont des fantômes normaux, ouais. Ouf! C'est bon, on a quitté les mines. Voilà. Bon, c'est pas franchement une partie intéressante, hein, c'est dommage. Mais bon. Rah. Oh, bien visé. Ah. Raté. Hop là. Voilà. Et donc là, c'était le chemin... C'était un chemin qu'il y avait en haut, hein, il me semble. Tiens, prends ça. Oh, fail. Prends ça. Et ça t'a pas touché. Tu fais chier. L'arbre. Ça, c'est... Ah, c'est le hall du grand art, et là, c'est le bosquet vital. C'est le bosquet vital, le lieu dans lequel on va. Ah. Putain, il y en avait. Il y en a un paquet de ces amis-là. Ah, non. Voilà. Allez, on monte. Et on remonte. Hop. Et là, on se souvient, c'est à nouveau du benzédium qu'on doit défoncer ici, qui nous empêchait... Ah. Qui nous empêchait, disais-je. Mais... Ah. J'ai raté mon coup. Voilà. Qui nous empêchait d'atteindre le bosquet vital. Et nous y sommes. Viseur radioscopique. Et là, ça va être un moment un peu chiant, quand même. Parce qu'il me semble qu'on va affronter beaucoup de spectres. Et même si, maintenant qu'on a le viseur radioscopique, ça va nous aller beaucoup mieux, finalement. Voilà. On voit que là, il y a quelque chose derrière. Ah, voilà, c'est par ici. Ouais, benzédium, bah tiens. Il me semble... Ah, non. Saleté d'amis. Bon, d'accord. Il me semblait qu'on allait se faire envahir par les fantômes Chozo, en fait. Je le pensais vraiment. Et nous voici dans le bosquet vital, qui a une gueule de bosquet vital. Soyons honnêtes. Une salle qui a la gueule de l'emploi. Ah, c'est beau. Et en gros, le but du jeu, ça va être de sortir.
Et du coup, je sais pas si on est vraiment... S'il doit y avoir des plateformes invisibles quelque part. Ouais, là par exemple, voilà. Oh, il pleut. Il doit y avoir des plateformes invisibles qui font que, bah, on ne peut théoriquement, pas sortir de la salle si jamais on n'a pas récupéré le viseur radioscopique. Parce que, bon, d'un côté, rien nous obligeait à le prendre. Hein. Jusque-là, on pouvait très bien se servir du viseur d'analyse directement pour noter que... T'es sérieux? C'est quoi, ça? C'est rien. On peut aller là-dessus. Voilà, c'était drôle. Donc on avait juste à utiliser le viseur d'analyse pour remarquer que le mur était destructible. Et puis c'était tout. Alors, on évite de boulayer cette fois. Voilà. Viseur radioscopique, s'il vous plaît. D'accord, non, en fait, absolument pas. J'avais juste pas vu cette plateforme-là. Oh, ben tiens. Je suis pas si con, finalement. Ah putain, et voilà que je me retrouve dans l'eau, génial. Hop là. Ça c'est un peu l'avantage du viseur radioscopique, c'est que... Oh, oh bah tiens, il est là. Du coup, on peut les suivre. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, on pouvait pas les suivre, du coup on les perdait très facilement. Vous vous souvenez? Ah, il est parti loin. Lui, c'est bon. Et voici le dernier. Déjà ? Je suis pas un peu occupé, non ? Technologie minière détectée. Centre de traitement des minerais. Équipement minier localisé. Je vois pas ce que ça peut être. Peut-être le rayon grappin. Ah non, peut-être le rayon plasma. En fait, il y a peut-être besoin du... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Merde. J'ai l'impression que les specs se la coulaient un peu douce du moment qu'on les attaquait pas. Peut-être qu'en fait, ils attaquent pas justement et il faut le viseur radioscopique pour les repérer. Tout bêtement. Non, j'essaie de trouver quand même... pourquoi est-ce qu'on est obligé de récupérer ce putain de viseur? Parce qu'on va être obligé dans la suite de l'aventure, on va être obligé de l'utiliser, d'accord? Mais théoriquement, enfin en général, quand tu récupères une arme dans une salle, pour sortir de la salle, tu as besoin d'utiliser cette arme. Généralement, c'est la règle. Hein. C'est comme dans les Zelda où t'es obligé d'utiliser l'arme du donjon pour terminer le donjon. Enfin... Bien. Ah non, d'accord, c'est juste un truc. Oups, j'aurais peut-être pas dû. Bon, bah du coup, il faut revenir... Revenir dans les mines de Phazon. Oh putain, et bien sûr, ces connards, ils sont tous réapparus. Oups. Allez. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, il y en a trois. C'est faisable. C'était quelle porte? C'était celle-ci, je crois. Oui. Il y en a plein de ces ennemis-là, c'est dans cette zone. Pas que c'est chiant, mais quand même. Oui, d'accord, j'ai compris. Je m'en souvenais que t'étais là, toi. Allez, j'ai bien envie du coup de récupérer cet équipement minier. À défaut d'avoir une première partie intéressante, on aura une fin de vidéo intéressante. À votre avis, rayon grappin ou rayon plasma ? Donc je vois plus trop, et là on commence à avoir récupéré un petit peu tous les équipements. Ensuite, il ne reste plus que quoi? Oh, dégagez. Ah oui, du coup, ici aussi. Voilà. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Bah non! Non. Je crois qu'on avait un raccourci par là-bas. Oh, j'avais pas vu ça. On a l'air d'avoir un raccourci assez sympa. Dit-il sur le ton de la discussion alors qu'il se fait attaquer par une demi-douzaine de pirates.
Allez, mais gèle-le. Eh ben, c'était compliqué, hein. Allez, allez. Attention, il s'agit de bien viser. C'est bon. Hi hi hi. Ah putain, non, c'est loin en fait. Ça va être prise de tête. À moins que viser radioscopique. Putain, j'arrête pas de parler de plateforme invisible et compagnie. Combien d'énergie, hein, se trouve dans la cabine des commandes située de l'autre côté de la zone. Ok, donc pour accéder à la porte là-bas, il faut que... Putain. Faut que j'aille là-dedans, quoi. Ce que j'avais pas réussi à faire la dernière fois. Non, merde. Allez. Oh, putain, j'y suis pas. Non, ça marche pas. Comment ça se fait? Je saute pas assez haut. Bon, bah, vous savez quoi? Je crois qu'on est parti pour faire le grand tour. Ah, fait chier. C'était absolument pas utile. Allez, on va essayer de passer assez vite cette partie-là. Parce que ça me saoule. Oh, arrêtez de me bloquer le passage, là. C'est pas très poli. C'est pas très gentleman. Hop, hop. Slalom. Non, mais t'es sérieux. Slalom. Ah, attendez. Hein, quoi? Ah oui, c'est parce qu'il faut aller là-haut. Bon, vous me saoulez. Là, 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 et là. Attendez, il y a un truc ici. Je crois que c'était du benzédium, ça. Vous venez d'obtenir un accès de sécurité partielle, le champ de force est in... Ah oui, sauf que ça ne sert à rien pour l'instant, étant donné que je n'ai pas le rayon plasma. Eh ouais. Allez. Ah, putain. Bon, on le voit pas beaucoup mieux. C'est pas vraiment pour le voir que c'est utile le viseur radioscopique, c'est surtout pour pouvoir le suivre au viseur avec la visée... lock, quoi. Laboratoire d'élite, il faut que je monte. Parce que ce n'est pas encore cette salle. Ah, ben voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai cherché, mais... Ces plateformes. Ah bah non. Oh les garces. Les garces, c'est tourelle. Allez, nourrissez-moi d'énergie. Oh, t'es sérieux, The Samus? Eh non, mais aujourd'hui, j'arrête pas de faire ça. C'est horrible, quoi. Ah, on m'attaque. Encore. Oh, puis merde. Vous voulez jouer? Eh ben, on va jouer. Tiens. Aouh, dans la gueule. J'ai perdu pas mal de vie, faut que je fasse gaffe. La porte. Ah. Ouh. Ah, bah oui. La bonne idée. Oui, il y a du phason sur les murs et tout, tout va bien. Où est le... Ah, voilà, je le cherchais, le petit. J'ai pas envie qu'il vienne me poursuivre ensuite. Alors, voyons un petit peu comment est fait le truc. Là, pour l'instant, j'ai constitué le chemin rouge. Ouais, non, c'est bon, j'ai assez de bombes, de puissance. Du coup, je crois qu'il faut que je fasse le jaune, là. Alors le jaune, le haut est bien fait, mais le deuxième et le troisième, non. Donc il faut que je bouge le deuxième. Du coup, je vais prendre le rouge.
Oui, bien sûr. Non, dégage, dégage. Dégage, tu vas dégager. Oh putain, il y en a deux. Vilaine, vilaine bestiole. Tenez. Voilà, et du coup, il faut que je fasse... Ouais, faut que j'aille là en bas. Voilà, c'est cet appareil-là que je voulais. Mais... Parfait. Et ici... non, c'est toujours pas bon, là. Je pense que maintenant, on va pouvoir prendre le chemin jaune. Je sais pas trop si jamais on pouvait pas... Qu'est-ce que tu fais? Non, si jamais on pouvait vraiment pas faire des trucs. Oh non! Oh la guigne. Ah! Bon! Alors. Va falloir que je. Répare mes conneries. Parce qu'en fait, j'ai pas. Enfin, le haut, en fait, il est pas dans la bonne direction. Du coup, ce que je dois faire... Oh là. Il faut que j'emmène... Enfin, il faut que je remette dans la position d'origine. Pour pouvoir actionner le troisième appareil. J'ai pas pensé au fait que la partie du haut pouvait être... Enfin si, j'ai pensé, mais... c'est bon là ou pas? Non, clairement pas. Il manque un quart de tour. En fait, j'ai regardé juste le schéma, j'ai vu la tige jaune là qui dépassait, je me suis dit « Oh, c'est bon !» Mais non, ça ne marche pas comme ça. Hélas. Voilà. Et maintenant, c'est ici où il faut... c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Ah bon. Ah, c'est là-bas. Ah, et c'est pour ça du coup qu'il fallait la bombe de puissance. Des gravats. Ouais. Alors on va supposer que c'est de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Ensuite. Ici. Ça va être... Attends, faut peut-être que je regarde bien le schéma. Quoi, danger ? Qu'est-ce qu'il y a danger? Ah, il y a peut-être du... Ouais, il y a du phason juste en dessous. Ouais. Donc là, ça va être 3 quarts de tour, je crois. Ouais. C'est ça. 3 quarts de tour. Plus qu'à régler celle d'en bas. Mais non. Est-ce que c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Allons-y! Oh! Attends. Voilà. Ah! Rayon grappin. Après ça, il reste plus que le rayon plasma et la dernière combinaison, et je crois qu'on a tout l'équipement. Et ça va nous faciliter la vie dans bien des lieux. Ah, bah tiens. Oh, bah tiens. Je vais pas venir lui. Allez, on va pas traîner, je crois que dans cette direction... Dans cette direction, rien du tout. Non, non, non. Ouais, j'ai du courage. Putain, j'ai attiré tous les métrouilles de la salle, je suis intelligent. Ah, non, 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 putain. Ils sont tous là. Ceux qui restent. D'accord, par contre, sinon ça va le bug. Allez, viens là. Hop là. Voilà. Hein?
Est-ce que je peux entrer là? Ah, on est happé automatiquement. Oh, on est dans de l'eau. Ah oui, là, en fait, avec cette air, on peut... Avec l'air qui remonte, en fait, on peut tout simplement... Oui, alors, vous allez vous calmer, hein? On peut remonter, voilà. C'est ça que je voulais dire, hein, comme fin de phrase. Avec l'air qui remonte, on peut remonter tout en haut de la salle. Mais non. Ouf! Bon, j'espère que ça fera pas une vidéo trop longue, ou au pire, je couperai un petit peu. Voilà. Donc, du coup, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez la commenter, la partager, la liker. Abonnez-vous si jamais vous voulez être notifié de tous les let's play qu'il y a sur ma chaîne. La suite de ce let's play, ce sera mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!